crazy would say. You'll never be as good as who I was. Très apprécié probablement une limonade aujourd'hui avec la température qui s'annonce. Encore une fois, il y a des alertes de chaleur en vigueur, des températures ressenties qui pourront atteindre les 45 degrés, entre autres à Hamilton. Partout dans le sud de la province, vous allez voir, il va faire chaud encore une fois aujourd'hui, ce sera très humide. Et ce sera comme ça aussi cette fin de semaine avec des cieux généralement ensoleillés. Généralement ensoleillé donc pour la fin de semaine. Il y a des faibles probabilités d'orages qui sont prévues, mais on parle de seulement 30 à 40%. Si on allait faire un tour du côté du sport, voir ce qui se passe, en fait, c'est autour d'une femme maintenant. Ce sera autour d'une femme de porter le drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. C'est la trampoliniste, seule médaillée d'or au Canada des Jeux de Londres et torontoise d'origine, qui s'appelle Rosanna Rosie McLennan, qui va mener la délégation à Rio. Elle va être à la tête d'un groupe de 315 athlètes canadiens. On en a fait l'annonce hier devant le Parlement. C'est Justin Trudeau qui a présenté McLennan à la foule. Et toujours en olympisme, il y a l'ancien athlète Dominique Gauthier qui signe un billet sur notre site, ici radio-canada.ca/sport.
Et dans son texte, il veut susciter le débat. Il dit que, selon lui, le golf et le tennis n'ont pas leur place aux Jeux olympiques. Entre autres, en parlant du golf, il se fait la réflexion que cette discipline-là, et je cite, est une vraie risée à Rio. Il ne pense pas que la médaille décernée dans ce sport-là a beaucoup de valeur parce que, d'une part, elle est obtenue sans affronter les meilleurs joueurs au monde. Et du côté du tennis, il se dit aussi déçu du retrait de Milos Raonic, entre autres, après ses exploits à Wimbledon. Il dit, selon lui, c'est un espoir de médaille, un réel espoir de médaille. Dominique Gauthier, donc, affirme que le tournoi olympique, entre autres en golf et en tennis, ben, ce sera toujours de deuxième classe pour ces athlètes-là parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Il aimerait que les joueurs soient plus honnêtes et qu'ils disent simplement qu'ils préfèrent se reposer pour se préparer au grand tournoi où ils pourront remporter des centaines de milliers de dollars. Et tiens, parlons des matchs à surveiller en fin de semaine. Il y a les Blue Jays qui commencent une série de 3 matchs à domicile contre les Mariners de Seattle. Au soccer, il y a le Toronto FC qui va accueillir le DC United au stade BMO. Pour ce qui est de la Ligue canadienne de football, les Tiger Cats de Hamilton vont affronter les Eskimos à Edmonton. Les Argonauts, quant à eux, vont accueillir les Alouettes de Montréal lundi. La Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec ont annoncé un accord sur l'achat en ligne des vins offerts par les sociétés des alcools des trois provinces en marge de la rencontre semestrielle du Conseil de la Fédération à Whitehorse au Yukon. Philippe Couillard n'exclut pas que les trois monopoles d'État offrent éventuellement tous leurs produits, mais cela pourrait nécessiter jusqu'à 3 ans de négociations. À la grande table, les premiers ministres des provinces et des territoires ont débattu des transferts fédéraux à la santé et des modalités de ce financement. Le compte-rendu de Hugo Lavallée. L'entente conclue en 2004 et qui vient à échéance cette année prévoyait une hausse des transferts en santé de 6 % par année. Mais avant sa défaite électorale l'automne dernier, le gouvernement Harper, lui, tablait pour le renouvellement de l'entente sur une indexation liée au PIB avec un minimum garanti de 3 %. Or, pour les provinces, c'est nettement insuffisant. Elles pressent le gouvernement Trudeau d'adopter une nouvelle approche. Par contre, les provinces ne s'entendent pas entre elles sur le fait que le gouvernement fédéral puisse vouloir imposer des conditions pour obtenir ce financement. Certaines provinces se montrent ouvertes, d'autres disent qu'il n'en est pas question. Écoutons Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario, Philippe Couillard, premier ministre du Québec, et Brad Wall, premier ministre de la Saskatchewan, qui, vous allez l'entendre, lui, fait peu de cas d'éventuelles conditions fédérales. À ce moment, nous n'avons pas un plan spécifique. C'est important pour les provinces et les territoires d'avoir une position. La question de la symétrie pour le Québec gagnée en 2004 demeure très, très importante. On décide nos priorités, on décide nos façons d'agir. We can perhaps discuss federal government priorities. On sent bien donc les négociations avec le gouvernement fédéral s'engagent dans leur dernier droit. Il y a un bras de fer que se livrent en ce moment les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral. Évidemment, les premiers ministres provinciaux ont tout intérêt à présenter un front uni pour faire fléchir le gouvernement fédéral, mais pour l'instant, rien n'est encore acquis. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Whitehorse. Ni le gouvernement du Québec, ni l'entreprise de Saint-Aubin n'auront à injecter les 13 millions de dollars que demandait Petrolia pour aller de l'avant avec les forages pétroliers sur l'île d'Anticosti cet été. Cependant, la Cour supérieure leur demande de fournir les fonds pour maintenir le projet en vie. Voici les précisions d'Hubert Rioux. Le juge Martin Castonguay a en quelque sorte démontré que c'est un mariage de raison qui unit les partenaires dans l'aventure d'hydrocarbures Anticosti. À sa sortie de la salle d'audience, le PDG de Petrolia, Alexandre Gagnon, était du même avis. On reste mariés malgré tout. On est encore des partenaires et on doit travailler ensemble. Le juge a donné raison en partie aux entreprises Petrolia et Corridor Ressources. Il impose aux autres associés, la compagnie française Saint-Aubin et le gouvernement avec Ressources Québec, de verser les fonds nécessaires pour que l'exploration pétrolière continue sur l'île. De nouveau, Alexandre Gagnon.
Moi, je suis heureux de constater que le juge reconnaît le blocage, que les salaires sont sauvegardés, que l'opérateur continue d'exister, et ça, c'est la base pour que le programme d'exploration puisse avoir lieu. Pour dénouer l'impasse au sein du conseil d'administration, le juge ordonne aussi la nomination d'un cinquième membre indépendant d'ici 30 jours. Dans la partie adverse, Ressources Québec dit se réjouir aussi du jugement. Pour leur porte-parole, il y a Touré, les forages ne devraient pas avoir lieu cet été. Cette année, normalement non, mais les partenaires peuvent décider autre chose. Selon le juge, les relations au sein d'Hydrocarbures Anticosti semblaient bonnes jusqu'en décembre dernier, avant que le premier ministre Philippe Couillard se prononce contre le projet. Ici Hubert Rioux, Radio-Canada, Montréal. Le temps des vacances est arrivé pour plus de 120 000 travailleurs de la construction au Québec. Cette tradition propre au Québec touche également des dizaines de milliers d'employés d'autres secteurs d'activité qui en profitent aussi pour prendre une pause de 2 semaines. Le montant total des chèques de vacances remis aux employés de la construction a cependant diminué de 3%, signe d'un ralentissement qui touche cette industrie depuis 2012. Si des régions comme l'Abitibi et la baie James sont particulièrement affectées, Montréal s'en sort mieux avec les chantiers Turcot et Dupont-Champlain. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada.